Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bon réveil et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce communiqué. Le président en exercice de la CEDEAO, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a pris avec indignation l'assassinat de deux journalistes de Radio France Internationale, Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Kidal, au nord du Mali, dans l'exercice de leur métier. Le président en exercice de la CEDEAO condamne cet acte odieux qui attriste des millions d'Africains et plonge dans la douleur et l'incompréhension les familles et les proches des victimes. Le président Alassane Ouattara présente ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des défunts, ainsi qu'à l'ensemble de la rédaction de RFI. Il les assure que la CEDEAO continuera d'œuvrer pour un retour définitif de la paix et de la sécurité au Mali et dans la région de Kidal en particulier. Et puis, en bref et en image toujours concernant cet assassinat, les réactions sont nombreuses. L'annonce du décès de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ces deux envoyés spéciaux de Radio France Internationale à Kidal, a plongé la rédaction de RFI dans une profonde tristesse et suscité une vague d'émotions en France. Le président français François Hollande a exprimé son indignation à l'égard de cet acte qu'il qualifie d'odieux. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire pour enlèvement et séquestration suivie de meurtre en lien avec une entreprise terroriste. À quel niveau sont les travaux de construction de l'échangeur de la Riviera? Ils ont atteint leur vitesse de croisière, selon le coordonnateur du projet. En témoigne la fermeture de la voie centrale du carrefour depuis le samedi dernier à minuit et la création de plusieurs déviations. On le sait, la livraison de l'échangeur est prévue pour le début de l'année 2014. Le point avec Franck Quadio. Lancés depuis novembre 2011, les travaux de construction de l'échangeur de la Riviera 2 sont, selon le coordonnateur de l'ouvrage, dans la phase finale. Aujourd'hui, on a pu isoler la zone des travaux et l'entreprise va pouvoir donc atteindre sa vitesse de croisière en creusant le tunnel et en même temps, avec les dispositions que nous avons prises, réaliser les trois tabliers dans un délai maximum de 2 mois. De l'école de police au carrefour Riviera 3, 1,5 km de tronçons bitumés, aménagés et des déviations pour davantage de fluidité. Pendant toute la phase du travaux, on a réduit la voie qui vient de l'école de police vers Benjaville à 2 voies. Aujourd'hui, avec la fin des contre-allées, on offre aux usagers ces 2 voies, c'est-à-dire 2 fois 2 voies. Donc il y a ceux qui viennent de l'école de police pour aller à Benjaville ont 2 fois 2 voies, mais cette fois-ci sur la contre-allée, c'est-à-dire à droite de la chaussée qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Cette nouvelle chaussée qui a été créée va être servie donc pour ces usagers-là. Des réaménagements bien accueillis par les usagers, mais quelques grincements de dents tout de même. Tous les jours, nous voyons les ouvriers travailler, donc ils sont à la tâche. Les désagréments, ça ne peut pas manquer. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Ça n'avance pas bien, hein, parce qu'à chaque fois, on est confronté à des embouteillages vraiment terribles. Si les travaux peuvent être un peu rapides, ça va vraiment désengorger. Le coordonnateur du projet, cependant, rassure. Pour faciliter le trafic, surtout aux heures de descente, aux heures de pointe, à 16 heures, nous allons permettre à ceux qui viennent de l'école de police et qui souhaiteraient aller à Tauban de tourner à gauche juste au point de déviation. Donc il y a eu un passage qui a été aménagé pour leur permettre de tourner directement à gauche et passer par le Vaudou pour aller à Tauban. À noter aussi la fin des travaux de l'échangeur de la Riviera 2 prévue pour début 2014. À Daloa, les élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie de Torogué ont été présentés au drapeau après la formation commune de base. C'était le jeudi dernier en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi-Kofi. Ils sont 717. Ces élèves sous-officiers de la promotion 2012-2014 de l'école de gendarmerie de Torogué à avoir été présentés au drapeau après 6 mois de formation commune de base. Saisissant l'occasion, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Gervais Kouassi, a réitéré l'engagement et la disponibilité de la gendarmerie nationale à accomplir ses missions régaliennes. Et comme le travail ne peut se faire qu'avec des hommes de qualité, le général Kouassi Gervais a dit aux futurs gendarmes que tous ceux qui rameront à compte courant des règles en vigueur en assumeront les conséquences. Sachez que le taux de tolérance pour tout gendarme qui s'amuserait à piétiner la loi et les règlements en vigueur est nul. En matière de discipline, le pourcentage de tolérance, nous savons tous que c'est zéro. Au cours de votre carrière, vous verrez défiler devant vous
de bons et de mauvais exemples parmi vos devanciers. Votre avenir dépendra des choix que vous ferez, a conseillé le ministre en charge de la Défense. Discipline et rigueur ont été les autres points à aborder par Paul Kofi Kofi à l'endroit de ces jeunes gendarmes. Lorsque vous portez les armes, vous devez avoir un comportement exemplaire parce que vous avez une avance sur les autres. Vous avez la possibilité d'en faire usage. Mais cela se fait sous certaines conditions. D'où le respect que vous devez scrupuleusement aux populations. Vous n'êtes pas là pour vous servir. Vous êtes au service. Il faut noter qu'avant cette date, ces jeunes élèves n'avaient pas le droit de participer à un cérémonial militaire en présence du drapeau de l'État de Côte d'Ivoire. Un commentaire de Mamadou Kouassi. Ce lundi matin se tiendra une importante rencontre sur les questions des PME et leur avenir. Le thème retenu est « Quel partenariat pour l'émergence des PME ?» Les détails dans nos éditions à venir. Quels sont les aspects clés de la loi sur le foncier rural en Côte d'Ivoire et quelles démarches administratives pour obtenir ce document? Voilà quelques questions auxquelles a répondu Koulibaly Sangafoua, le ministre de l'Agriculture, le jeudi dernier. Il était l'invité des rendez-vous du gouvernement. Noël Niagno. Le foncier rural, une question sensible dans un pays à vocation agricole, avec une volonté politique clairement affichée des pouvoirs publics, moderniser le secteur agricole. Après des rendez-vous d'envergure tels la rencontre de Yamoussoukro en juin 2012, le vote de la prorogation de la loi de 1998 avec la modification des articles 6 et 26 place à l'opération d'explication et de vulgarisation. Première cible, la presse nationale et internationale. Thème de la rencontre, l'explication du foncier rural. Invité Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture. Un cadre, le 12e étage de l'immeuble Siam, parce que la question mérite que l'on prenne de la hauteur. Dans cette optique, le ministre de la Communication a situé les enjeux du rendez-vous. La gestion du foncier rural et urbain constitue un enjeu de taille, voire une problématique essentielle pour le développement économique et social, ainsi que la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Le terrain balisé suit l'explication des textes du ministre de l'Agriculture, Sangafoua Koulibaly, en commençant par les origines de l'acte législatif. Avant 1998, le domaine du foncier rural n'était régi par aucun code spécifique. C'était un ensemble de textes hérités pour certains de la colonisation et d'autres pour l'ère postcoloniale. Malheureusement, la mise en œuvre n'a pas prospéré. À ce jour, 171 terroirs villageois ont été délimités sur 11 000 prévus. Une centaine de certificats délivrés sur une estimation de 500 000. Deux contrats de location pour 700 000 prévus. D'où la prorogation de 2013 en leur article 6 et 26. Pour la nouvelle exploitation, le gouvernement se veut plus pragmatique. L'administration préfectorale est impliquée dans la mise en œuvre de la loi. Et il y a surtout les comités de gestion foncière rurale au niveau des sous-préfectures qui sont présidés par le sous-préfet, mais qui comportent tous ceux qui ont un lien avec la gestion du domaine foncier rural, surtout les communautés villageoises. Seulement voilà, des questions sont pendantes. Pour cet exercice de questions-réponses avec la presse, Sangafoua Koulibaly s'est voulu très précis pour lever des équivoques. Si vous avez des droits coutumiers, il ne suffit pas que vous ayez ces droits coutumiers. Ils ne peuvent développer leur potentiel que si vous faites constater par une enquête que vous avez ces droits. Et à l'issue de cette enquête, on vous délivre un certificat foncier. Détail important. Si vous avez un certificat foncier, pour qu'on vous donne un titre de propriété, il faut que vous soyez ivoirien si vous êtes une personne physique. Sinon, on ne peut pas vous délivrer de titre. Selon la loi de 98. Mais si vous n'êtes pas ivoirien, en ce moment-là, on immatricule la terre au nom de l'État. Et l'État passe avec vous un contrat de bail. Donc tout le monde peut accéder, mais tout le monde ne peut pas être propriétaire plein. Au total, une étape est réalisée. La dissémination de cet exercice va se poursuivre partout en Côte d'Ivoire pour donner plus de chances à l'immatriculation des terres, source de paix et de cohésion sociale.
Un autre rendez-vous ce lundi, c'est celui du groupe Fraternité Matin. Et l'invité cette fois est Madame le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou-Koffi. Le compte-rendu de cette rencontre dans notre prochaine édition. Une page culture dans ce journal, l'Abissa. L'Abissa, c'est fini. L'apothéose, c'était hier dimanche. Mais avant, le mercredi, la journée consacrée à la femme Zima Kotoko. Notre reporter a suivi les jeunes formés à la danse et à la maîtrise du Dongbolé. Les retours sur l'Abissa 2013 donc avec Victorien Angua. L'une des particularités de l'Abissa 2013 est la formation des jeunes Espoir de demain. Vœu émis par Sa Majesté Nana Amontanoé parce qu'il veut voir pérenniser la culture du peuple Nzima. Et quand on a suivi la formation théorique pendant quelques jours, voici ce que ça donne. Parti du groupe Yélé. Depuis tout petit, j'apprends à taper la bissa. La formation dure, disons, un an. Pour mieux t'apprendre, il faudrait un an. Et lorsque les grandes personnes sont en train de taper, c'est-à-dire ceux qui le font en ce moment, tu t'approches pour regarder un peu les gestes, les pas. Outre les batteurs de le Dongolé, il y a aussi les danseurs. La bissa, c'est trois pas de danse exécutés ici par le Konyele Menda. Avec les enfants, le groupe Atchouin Kwasi, réputé pour ses pas de danse particuliers, a ajouté un pan à sa prestation de mercredi, jour consacré à la femme Nzima. Hommage a été rendu à la reine-mère, mais également à deux illustres disparus, le chef du quartier impérial, fief du groupe, et à Juliette Anzien de Radio Côte d'Ivoire. La page internationale à présent, direction l'Afrique du Sud. Le Black Empowerment, le système d'émancipation économique des Noirs, consiste à permettre à ces derniers d'accéder aux postes de décision. Il a fêté son 10e anniversaire le jeudi 2 novembre dernier. Cela fait 10 ans que le BEE, un système de discrimination positive, a été adopté en Afrique du Sud pour remédier aux inégalités créées par l'apartheid. Principaux bénéficiaires, les Noirs, mais aussi les Métis, les Indiens et les Asiatiques, catégories auparavant discriminées. Pierre Mante, une chaîne d'hôtels et de casinos, applique le Black Economic Empowerment. Il lui impose un certain quota de personnes de couleur à tous les niveaux de l'entreprise et il comporte un plan de formation pour cette catégorie de personnel. En théorie, le BE n'est pas obligatoire, mais mieux vaut s'y plier car il favorise l'obtention de marchés. Les autres entreprises seront plus que contentes de se fournir chez vous parce que plus votre contribution au BE est forte, plus la leur le sera. Il y a donc une incitation pour les entreprises à se fournir chez vous. Pour obtenir une note BEE, il faut se faire certifier par une agence spécialisée comme Onecomb. C'est un marché juteux pour toutes sortes de consultants en discrimination positive. Aujourd'hui, l'un des experts d'Onecomb rend visite au directeur de Piermont pour un audit annuel. Certaines entreprises acceptent la philosophie du BEE, d'autres s'y plient par pur intérêt. Cela reste un achat de notes pour beaucoup d'entreprises. C'est un peu comme payer une assurance. Même si vous ne voulez pas, vous en avez besoin. Mais le Black Economic Empowerment n'est pas sans effet pervers. Il a notamment favorisé un système de prête-noms. De simples employés se retrouvent ainsi propulsés actionnaires sans en avoir les fonctions. Pour cette chercheuse à l'Institut sud-africain des relations raciales, le BEE ne fonctionne pas.
Une chose est d'avoir des Noirs à la direction. Mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de la direction? Avons-nous assez de travail pour les Noirs? C'est ça qu'il faut regarder. L'emploi des Noirs sud-africains a diminué depuis 2003, lorsque le BEE a été mis en place. Aujourd'hui, le bilan du BEE est mitigé. Si la part des cadres et dirigeants noirs a progressé depuis la fin de l'apartheid, il reste un chômage de masse dans cette population et des inégalités que la démocratie raciale n'ont pas effacées. Avant de refermer ce journal, je vous refais lecture de ce communiqué. Le président en exercice de la CEDEAO, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a pris avec indignation l'assassinat de deux journalistes de Radio France Internationale, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, dans l'exercice de leur métier à Kidal, au nord du Mali. Le président en exercice de la CEDEAO condamne cet acte odieux qui attriste des millions d'Africains et plonge dans la douleur et l'incompréhension les familles et les proches des victimes. Le président Alassane Ouattara présente ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des défunts, mais ainsi qu'à l'ensemble de la rédaction de RFI. Il les assure que la CEDEAO continuera d'œuvrer pour un retour définitif de la paix et de la sécurité au Mali et dans la région de Kidal en particulier. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine sur RTI 1.